Bonjour à tous et bienvenue, c'est Arnaud d'Automantix et on se retrouve aujourd'hui pour faire un webinaire, un premier webinaire qui aura pour thématique une découverte de la plateforme, un tutoriel basique qui va vous permettre d'avoir les clés de l'utilisation d'Automantix. Donc au programme aujourd'hui de ces 45 minutes. Alors on est sur un programme enregistré, donc il n'y aura pas de questions-réponses, mais n'hésitez pas que ce soit via le formulaire de contact ou via la page Twitter d'Automantix de venir poser vos questions. Donc on va faire 45 minutes de présentation. Donc on va vous présenter un petit peu l'entreprise Automantix. On fera un démarrage rapide de la plateforme. Et puis on évoquera ensemble l'assistance, le support et la présentation des offres. Quelques éléments clés de la carte d'identité d'Automantix. Donc c'est une entreprise qui a été créée en 2006, avec pour vocation l'accélération de la mise en place des solutions métiers dans les organisations. On a d'ailleurs de nombreux clients en référence avec lesquels on a utilisé la plateforme Automantix dans sa version 3. La plateforme aujourd'hui qu'on va voir tout à l'heure est disponible en version 4. Pour la petite info, nous sommes basés à Olivet, juste à côté d'Orléans. Et voilà, donc ça fait 15 ans qu'on développe aujourd'hui une entreprise, une plateforme no code. Alors, pour qui et pourquoi utiliser Automantix? Alors, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure avec cette vision de vouloir accélérer le développement. Donc, l'utilisation d'une plateforme no code et de la plateforme no code Automantix en particulier va vous permettre de mener rapidement vos projets avec succès, de réduire les coûts d'exploitation et d'assurer la pérennité de vos solutions métiers, puisque c'est la plateforme qui intègre toute la technique. C'est la plateforme qui va, si vous voulez, être mise à jour, mais en tout cas, votre applicatif, lui, ne va pas être modifié. On peut donc être utilisé dans différents cadres, donc dans le cadre des DSI, des entreprises ou des collectivités locales, publiques, pour dématérialiser en interne directement des processus qui soient très restreints ou très transverses dans votre entreprise. Automantix permet de faire ceci. Vous allez pouvoir également utiliser Automantix en étant un éditeur de solutions. C'est le cas d'un partenaire parisien qui a développé sa solution avec la plateforme Automantix V4 et qui va maintenant pouvoir la commercialiser. Et puis enfin, on peut aussi parler des ESN sur certains projets qui vont pouvoir utiliser Automantix pour uniformiser leur technologie de développement et gagner du temps. Et enfin, les startups pour proposer à leurs investisseurs potentiels ou pour proposer un MVP, hein, vérifier rapidement que les fonctionnalités souhaitées sont bonnes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce premier webinaire? On va aller donc sur le site www.automantix et on va aller se créer un compte. Donc, vous avez la possibilité depuis le site internet de vous créer un compte de test. Donc, c'est ce qu'on appelle l'offre découverte. Alors, il y a quelques restrictions, notamment au niveau des utilisateurs, mais vous allez pouvoir sinon utiliser l'ensemble de nos fonctionnalités sans restriction de temps. Donc, vous allez pouvoir justement faire vos MVP, vos maquettes fonctionnelles et vos solutions finies si souhaité. Donc, ici, je renseigne mes informations. Je vais appeler ma plateforme ArnoLac en espérant que je ne l'ai pas déjà créée. Sélectionner toutes les cases montrant le bus. Hop, 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 hop. Et je sauvegarde. Donc, suite à ça, je vais recevoir un mail. Donc, je vais mettre ça sur le deuxième écran. Donc, je vais recevoir un mail de ce type sur lequel je vais recevoir mon adresse d'accès. Donc, je vais la mettre sur mon bon onglet. Et puis, j'ai plus qu'à renseigner le mot de passe qui a été renseigné, envoyé par le mail. Voilà. Donc là, nous sommes dans un environnement Automantix, offre découverte. La première chose que je vais faire, que je vous incite à faire, c'est d'aller changer son mot de passe et de mettre un mot de passe plus personnel afin de pouvoir se connecter simplement sans aller chercher tout dans son mail d'inscription. Voilà.
Et puis la deuxième chose qui est possible, c'est de venir revenir sur la page de login. Alors je vais remettre mes identifiants. Et ça va être de cocher ce souvenir de moi pour pouvoir se connecter au quotidien sans avoir à mettre son identifiant, son mot de passe. Donc dans quelques instants, on viendra créer un premier projet. Donc ce sera une application qui va gérer un annuaire de contacts simple, c'est-à-dire nom, prénom. Donc qui va reprendre notamment le guide de démarrage rapide que vous retrouvez sur le site ici, donc démarrage rapide. On va appliquer ce tutoriel en vidéo dans quelques instants. Alors juste avant, quelques bases, quelques clés d'une plateforme Automantix. Donc ici, au niveau des utilisateurs, vous allez retrouver vos utilisateurs Automantix. Donc vous êtes par défaut administrateur de la plateforme. Donc l'administrateur, c'est l'utilisateur qui va avoir le droit de superviser et de configurer la plateforme. Vous allez avoir ici des designers. Donc c'est la possibilité de créer des applications, de modifier des applications. Et puis vous allez avoir la possibilité de créer des groupes qui seront là applicatifs pour justement pouvoir voir une application créée sous la plateforme. Alors, petites informations complémentaires. Dans l'offre découverte, l'authentification proposée est forcément l'authentification native automatique. Donc, c'est la plateforme qui va créer les comptes. Donc, il est possible sur une plateforme, alors pas dans l'offre découverte, de câbler son authentification avec des annuaires courants, donc que ce soit LDAP, que ce soit Active Directory, et d'utiliser également de l'Active Directory ou du SSO via Kerberos. Voilà, donc ici dans l'offre découverte, on n'a pas cette subtilité-là. Ensuite, vous allez retrouver rapidement donc, la supervision, donc l'onglet système et JVM, pas très intéressant dans le cas d'une plateforme mutualisée, hein, c'est tout, ça sera partout pareil. Vous pouvez voir quelques informations techniques concernant la plateforme. Ce qui est important, ça va être les logs, puisque c'est ici qu'on va retrouver l'ensemble des potentielles erreurs ou des alertes. Donc vous allez pouvoir retrouver vos logs dans la supervision. Et puis vous allez pouvoir également retrouver l'ensemble des connexions JDBC ouvertes depuis votre plateforme. Enfin, on va aller dans configuration et gérer les sources des données. C'est quelque chose qui nous intéresse énormément. Vous pouvez retrouver ici une base applicative Postgre. Donc cette base applicative est présente par défaut sur votre plateforme découverte. Vous disposez de 500 mégaoctets de stockage et vous allez ensuite pouvoir créer autant de schémas que souhaité pour bien cloisonner l'exploitation de vos données. On va tout de suite d'ailleurs en créer un qui va s'appeler Contact. Je valide. Je regarde si j'ai bien lancé l'enregistrement. C'est bien, c'est parfait. Donc ici, vous allez maintenant avoir un schéma, vous allez pouvoir tester la connexion et la connexion est réussie. Vous avez ici l'onglet sauvegarde qui va vous permettre de sauvegarder votre schéma ou votre base applicative à une fréquence donnée. Donc ici, c'est tous les jours à 5h47. Voilà, vous pouvez changer de fréquence si souhaité. Donc voilà. Ici, donc vous allez pouvoir gérer autant de bases de données, de sources de données que vous souhaitez. Alors par défaut, on a une base de données Postgre comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez également importer vos sources de données personnelles, donc MySQL, MariaDB, Oracle ou SQL Server. Donc vous avez juste à renseigner le paramétrage du serveur et vous allez pouvoir vous connecter à vos plateformes. Voilà pour, on va dire, le tour de base. Je pourrais intégrer paramètres à ça. Donc ici, dans Configuration paramètres, vous allez retrouver les propriétés générales. Donc ça là, sera l'occasion pour vous d'y jeter un œil. Vous allez retrouver les différents modes de la plateforme et puis des clés techniques si jamais vous utilisez le CAPTCHA et le SMTP que vous voulez utiliser dans le cadre de votre application. Donc voilà, on a fait un petit tour. Maintenant, on va s'intéresser. On a gardé le meilleur pour la fin. On va s'intéresser à la partie projet, puisque c'est ce qui nous intéresse dans cette plateforme de code, c'est de pouvoir développer alors des applications, des web services, etc. Donc ici, on va créer un premier projet qui va s'appeler Contact. Et on va tout de suite aller voir ce qu'on peut créer dans un projet. Donc on peut créer soit des applications, donc c'est des applications web.
donc compatible avec l'ensemble des navigateurs du marché, mis à part Internet Explorer, mais bon, la technologie Internet Explorer n'est plus maintenue par Microsoft. Donc vous allez pouvoir créer des nouvelles applications web responsives, on le verra par la suite, et compatibles PWA, donc Progressive Web App, ce qui permet de jouer vos applications pratiquement de matière native sur vos smartphones. On va pouvoir gérer des planifications, donc c'est l'exécution de code à une période donnée. On va pouvoir créer des services métiers, donc les services métiers, c'est un petit peu comme votre fichier fonction.php par exemple. C'est là où on va pouvoir définir des fonctions pour factoriser du code et les appeler dans l'ensemble de notre projet. Et enfin, on va retrouver les services web. Donc les services web, c'est la mise à disposition, l'exposition de données via web service, donc REST ou SOAP, c'est au choix, avec des authentifications plus ou moins fortes. Et enfin, nouveau modèle de données. Un modèle de données, c'est en fait la structuration de votre base de données, c'est-à-dire vos entités, vos attributs. Donc on va y faire un tour très rapidement. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle application contact. Alors ce qu'il est très important de savoir, c'est pour développer, pour faire de la conception, une fois que vous avez sélectionné l'objet sur lequel vous voulez vous placer, vous allez ici dans l'onglet conception. Donc on va retrouver ici un deuxième menu qui fait son apparition en dessous du menu principal, qui est un menu spécifique à la conception. Et en fonction, je vous invite à venir sur l'ensemble de ces menus, voir le petit message d'aide qui va vous guider. Donc ici, par défaut, on arrive dans concevoir les écrans. Donc on va y venir dans un instant. Vous allez pouvoir exécuter des requêtes SQL via ce bouton. L'un des boutons, si ce n'est le menu le plus important, c'est gérer les comportements, puisqu'on va voir par la suite que l'ensemble de notre métier sera renseigné dans cet UC. Et puis après, vous allez voir gérer les jeux de données, gérer les variables. On peut créer des rapports avec Automantix, du DocX, de l'ODT, du PDF. Donc ce sera ici dans gérer les rapports. On peut importer également des fichiers et puis on peut faire des appels à des services web. Tout à l'heure, je vous parlais d'exposer des méthodes REST, des méthodes SOAP. Les applications peuvent également récupérer des données provenant de web services internes Automantix ou de tierces applications. Donc moi, ce que je vais faire, c'est donc retourner ici sur concevoir les écrans et on va commencer par créer un nouvel écran qu'on va appeler chart. C'est l'écran qui accueillera l'ensemble des autres écrans. C'est l'écran chart graphique. C'est pour ça que je l'appelle ainsi. Donc voilà, je vais créer mon petit écran chart. Et vous allez pouvoir tout manipuler dans vos écrans, donc en passant en mode création ici. Vous allez retrouver au centre votre écran tel qu'il a été créé. Sur votre gauche, vous allez retrouver la liste des contrôles dans cet onglet. C'est en fait la décomposition. C'est un petit peu, si je devais faire une analogie avec du HTML pur, c'est votre DOM HTML. Donc vous retrouvez l'ensemble des divs, l'ensemble des composants. Donc on va venir manipuler ça dans un instant. Et puis, vous allez retrouver également la boîte à outils, donc qui est très importante, puisqu'on va pouvoir ici retrouver l'ensemble des composants qu'on va pouvoir placer sur l'écran. Un composant peut être placé de différentes manières. Alors, soit vous venez avec la souris, cliquez sur une zone et vous cliquez sur le plus, vous retrouvez votre boîte à outils. Donc, par exemple, si je veux mettre un tableau, ici, je clique sur tableau et automatiquement, mon tableau vient se créer. Ou sinon, une autre solution qui peut être très rapide, c'est de venir, on va faire la même chose, prendre son tableau et venir le drag and dropper sur la zone de l'écran souhaité. Voilà, donc on va voir que tout à l'heure, on va venir jouer avec ces éléments-là. Ce qu'on va faire, nous, c'est dans le démarrage rapide, on va venir créer une application qui va gérer donc des contacts. Donc on va faire quelque chose de simple. Donc la saisie de nom, prénom, mail et téléphone avec une petite donnée de référence qui sera type contact. Donc pour faire ça, on va devoir forcément à un moment faire un schéma pour notre base de données, déclarer nos vues, déclarer, pardon,
nos entités, nos attributs. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, création d'un modèle de données. Oula. Donc, pour cela, je reviens sur Automantix. Au niveau du projet, je vais venir cliquer sur projet et créer un nouveau modèle de données. Donc, ce dernier, je vais l'appeler contact également. Et je vais reprendre hein, tel quel ce qui a été mis dans le guide de démarrage rapide. Donc ici, on va faire une nouvelle entité. Donc on va appeler contact. Donc rien de plus simple pour créer une entité. Donc par défaut, vous avez l'idée, la clé primaire qui vient se créer. Et ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter autant d'attributs que souhaités, avec des typologies également présentes. Donc ici, on a une première liste déroulante non exhaustive. Si vous voulez les types avancés, vous pouvez cliquer sur ce petit bouton. On va rester en mode simple. Donc ici, je vais vouloir un nom qui ne peut pas être vide. Donc je sauvegarde et puis je vais faire mon petit modèle de données. Je vais mettre prénom. Donc ouais, je mets des accents, mais ils vont sauter, vous inquiétez pas. Par défaut, on garde une syntaxe technique ici. On va mettre ici le mail. Et on va mettre une information qui ne va pas être requise. Donc par exemple, le téléphone. Le téléphone. Hop. Ici, voilà. Si je ne veux pas que l'information soit obligatoire, je vais mettre « peut être vide ». Donc là, on a notre première entité. On voulait... On va faire comme dans le guide de démarrage rapide. On aimerait, par exemple, vraiment classer et thématiser nos contacts en fonction d'un type défini. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle entité qu'on va appeler type contact. Et on va juste lui passer donc, un nom. Donc, on va remplir cette table dans quelques secondes. Et on va lui mettre un champ actif. Alors, on n'en aura pas besoin dans ce tuto, mais il est toujours utile de mettre une notion d'actif dans les données de référence pour savoir si oui ou non on doit l'afficher à notre utilisateur. Donc ici, je l'ai passé en mode booléen. Donc maintenant, on va vouloir dans contact déclarer, faire le lien avec notre table type contact. Donc pour cela, je suis un peu vite, je vais faire clic droit, nouvelle clé étrangère. Donc on garde vraiment des notions techniques ici dans le modèle de données. Et je vais choisir mon entité cible, donc c'est type contact. Et puis je vais créer ma contrainte ici en disant qu'on veut se référer à l'identifiant de type contact. Je sauvegarde et ici j'ai mon FK qui est apparu. Donc voilà, ici j'ai mon premier modèle de données qui a été créé. Donc je vais faire contact, je vais les classer dans un dossier parent. C'est pas forcément utile ici. Qu'est-ce que je fais ? Pas forcément utile puisqu'on a deux tables, mais quand notre modèle de données devient costaud avec plusieurs dizaines voire centaines de tables, il est important de bien classer tout ça. Et donc, une fois que j'ai défini mon modèle de données dans ma plateforme Automantix, je vais venir le pousser en quelque sorte, le déployer dans ma source de données physique. Donc c'est le fameux schéma qu'on a créé tout à l'heure, la base applicative contact. Donc pour cela, je choisis ma base applicative. Je n'ai plus qu'à cliquer ici sur déployer. Donc si vous cliquez sur détails, vous allez voir l'ensemble des actions réalisées par la plateforme. Et donc ici, notre modèle est synchronisé. Donc tout va pour le mieux. Donc une fois que vous avez fait votre premier déploiement, vous allez pouvoir à terme rajouter hein, des attributs. Et pour le coup, il suffira de faire un mettre à jour le déploiement. Donc automatiquement, ça viendra modifier votre source de données physique. Donc soit en passant directement sur l'entité, soit en se mettant à la racine de votre modèle de données et cliquer sur mettre à jour le déploiement. Continuons donc le déploiement de notre application. Donc ce qu'on va faire juste avant de quitter le modèle de données, c'est qu'on va faire un clic droit sur type de contact. Et on va cliquer sur « Afficher les données ». Donc cette petite fonctionnalité permet de faire les actions crudes, ajouter, modifier, supprimer. Donc je vais ajouter un type, donc on va appeler soit un contact personnel, soit professionnel. Je vais mettre pro.
Donc vous pouvez très facilement modifier vos données comme ça. Pas besoin d'aller sur un PG Admin ou une tierce application pour voir rapidement vos informations. Donc voilà, ici on a notre modèle de données qui est créé. On va pouvoir se reconcentrer ici sur notre application. Donc je reviens sur mon application en mode conception. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une petite baguette magique pour créer tout plein d'écrans d'un coup. Ça s'appelle l'assistant de création de formulaire. Donc pour cela, je vais dans le plus ici et je vais utiliser l'assistant de création de formulaire. Donc là, c'est un petit peu, on va dire, entre guillemets, de la triche puisque je vais en quelques clics rentrer, dire à la machine, dire à la plateforme ce que je veux. Il est utile de savoir le faire sans passer par l'assistant de création de formulaire. Donc je vous invite dans un premier temps à créer vos tableaux, vos écrans avec cette fonctionnalité, puis de regarder un petit peu, de creuser un petit peu ce qui a été créé par le robot, la plateforme. Donc nous, ce qu'on va vouloir, c'est de gérer, ce qu'on va vouloir faire, c'est gérer des contacts. Donc je veux un tableau, je veux un formulaire. Et on va avoir quelques options ici, donc on va aller assez vite. Nous, on va vouloir modifier ça dans une boîte de dialogue. J'enlève les options ici. J'en ai pas besoin. Écran parent, on va utiliser tout à l'heure, on a créé tout à l'heure notre écran charte, donc je vais le réutiliser ici. On veut que tout ce qui soit créé rentre dans notre div centre de la charte graphique. Et enfin, on veut que ce soit créé un item dans notre onglet, dans notre menu navigation pour pouvoir y accéder facilement. Donc voilà, ici j'ai presque fini. Donc on vérifie un petit peu les labels qui sont créés en mettant les accents notamment. Voilà, on va retrouver le mail, le téléphone. Pop. Ici, au niveau du type contact, vous voyez qu'il y a une liste déroulante. Et on va pouvoir venir ici choisir quel attribut de la liste de l'entité FK étrangère on veut afficher. Donc on va vouloir afficher le nom ici. Et donc ici, je vais mettre juste type. J'appuie sur terminer et là je vais retrouver dans mes écrans, dans mes IHM, des choses qui ont été créées. Donc un écran de contact comme ceci et un formulaire de contact. Donc évidemment tout ce qui est créé ici peut être modifié par l'utilisateur. Hein. C'est-à-dire qu'ici si je veux mettre le nom et le prénom sur la même ligne, je vais pouvoir. Si je veux rajouter un petit peu de cosmétique au niveau du mail et rajouter une icône, je vais pouvoir aussi. Donc je vais rentrer un petit peu plus dans le détail dans un instant sur les boîtes de propriétés. Donc on a par défaut la possibilité de mettre toutes les icônes Fontosome. Voilà, ça vient créer une petite icône ici. Allez, soyons fous, je vais le faire pour téléphone. Et on va tout de suite débugger, voir ce qu'il en est. Donc là, tel... Allez, un petit alternatiphone, on sauvegarde. Donc là, moi, j'ai envie de voir déjà ce qu'a créé l'assistant de création de formulaire. J'ai envie de voir le comportement de mes écrans. Donc pour cela, je vais pouvoir cliquer ici sur le petit bouton play vert. Donc c'est le débugger l'application. Donc une fois que je clique dessus, je vais me retrouver avec un nouvel onglet. En bas de cet onglet, on va retrouver tout un tas d'informations lié au débugage de notre application courante et je vais pouvoir aller jouer le comportement, enfin ici ajouter mon contact, donc je vais me rajouter moi. Et ici dans type, vous voyez que automatiquement on retrouve nos informations, les informations qu'on a saisies tout à l'heure dans le modèle de données. Je sauvegarde et voilà, j'ai mon premier CRUD qui a été réalisé avec succès. Donc au niveau du débugger, un rapide coup d'œil, on va pouvoir donc voir la durée de la dernière exécution. Donc là c'était l'exécution d'ajout, donc 19 millisecondes. Très intéressant pour dans le cadre de comportements beaucoup plus complexes pour voir vraiment ou pour estimer une montée en charge pour voir le temps que prend l'ordinateur, enfin la plateforme pour gérer les règles métiers. Donc ici on va revoir les logs de l'application courante. On va pouvoir également voir
toutes les interactions réalisées. Et pourquoi pas carrément mettre des points d'arrêt. Donc si je clique sur la gauche de chaque règle, je vais pouvoir mettre un point d'arrêt. Et donc quand je clique sur contact ici, vous voyez, j'ai un point d'arrêt que je peux jouer soit de manière pas à pas, soit voilà, juste regarder un endroit et reprendre le comportement et l'exécution des règles. Ici, je retrouve mes points d'arrêt. Pour les désactiver, je clique pareil sur la gauche. Et voilà, j'ai plus de points d'arrêt qui sont mis. Toc. Si vous faites des changements sur votre application, vous pouvez directement cliquer sur l'onglet recharger ici. Et vous, voilà, vous allez réexécuter vos applications, votre application avec les derniers changements. Alors, on s'intéresse aux règles métiers dans quelques secondes. Juste avant, alors c'est personnel, mais moi j'aime beaucoup utiliser, donc je suis allé dans Apparence ici de l'application, et je vais utiliser le thème matériel, et mettre une petite couleur personnalisée. Alors, je ne sais pas ce que je vais vouloir mettre, peut-être un bleu, voilà, un petit peu comme ça. Hop, je sélectionne la couleur souhaitée. Et automatiquement, l'ensemble des composants vont utiliser cette couleur d'accentuation. Vous avez donc tout un tas de possibilités de paramétrage sans rentrer forcément dans du style CSS pur. Et il vous faut cliquer sur sauvegarder ici en pied de page. Donc, si je retourne sur mon application ici, vous voyez qu'on a des composants qui vont être plus responsives. Voilà. Donc, différents thèmes que je vous invite à venir regarder. Donc, vous allez me dire, mais comment on fait donc toutes ces interactions? C'est-à-dire, quand je clique sur nouveau, j'ai l'exécution, l'ouverture d'une boîte de dialogue. Quand j'appuie sur sauvegarder ou sur modifier, j'ai des règles métiers qui s'exécutent. C'est ce dont on va parler maintenant. Donc, nous, on a vu pour l'instant l'exécution, enfin la création IHM ici. Ce qu'il est très important de savoir, c'est que si je me place sur ma boîte de dialogue, par exemple ici d'ajout et de motif contact, je vais retrouver donc dans l'onglet liste des contrôles, donc l'ensemble des contrôles, on l'a déjà vu, et puis je vais retrouver également des petits flashs ici, des petites icônes qui représentent le tonnerre, et en fait c'est ce qu'on appelle des déclencheurs sous Automantix. Donc si je prends par exemple un composant input, on n'a aucune action qui est faite. Vous voyez que les deux déclencheurs sont vides. Donc, aucune action n'est réalisée depuis la saisie du prénom. Par contre, si je me place ici dans sauvegarder et que je déplie à la validation, on va voir qu'on a des choses de câblé avec ce déclencheur. Donc, les choses de câblé, c'est ce qu'on appelle un comportement. Et on l'a vu tout à l'heure un petit peu, puisqu'on retrouve ici un UC comportement. Donc allons voir, par exemple, rapidement ce qu'est un comportement. Donc je peux aller directement voir le comportement en faisant un clic droit aller vers, et je suis redirigé directement au bon endroit sur la plateforme. Donc le comportement est l'addition d'une ou plusieurs règles. Donc les règles, c'est la hiérarchie juste en dessous. Et enfin, cette règle, elle va être le centre névralgique de notre application, puisqu'elle va composer, elle va être composée de conditions, donc de conditions algorithmiques. Donc ça peut être des si, des pour chaque, des parcours de tableau, des sélections de données, etc. Et elle va également mettre en action des actions. Donc si je fais un clic droit nouvelle action, on va retrouver des actions qui vont impacter les IHM. Donc c'est le cas par exemple d'une affectation contrôle classique. On va retrouver des actions de SGBD, donc de base de données, donc le CRUD, l'insertion, la mise à jour, la suppression. On va retrouver tout un tas d'autres choses. Donc on va pouvoir jouer sur nos jeux de données, hein, pour les parcourir, pour ajouter des données. On va avoir tout un tas d'actions sur les fichiers, puisque Automantix embarque une GED interne. Donc on va pouvoir sauvegarder des fichiers directement sur votre plateforme. Et puis on va retrouver, alors on va pas tous les parcourir, mais on aura des actions sur les utilisateurs et des actions notamment sur l'appel de services métiers, de méthodes métiers ou de services web. Donc
Je vous refais rapidement le topo. Ici, par exemple, quand nous sommes dans une application de type boîte de dialogue, à l'initialisation de cette boîte de dialogue, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir charger nos données dans nos contrôles. Donc, si je prends par exemple cette règle, donc je vais aller sur Load Dialog Box, donc c'est en anglais par défaut. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dans un premier temps dire que je veux remettre à zéro ma boîte de dialogue. Donc, j'utilise une action qui s'appelle réinitialiser les contrôles d'un écran. Et puis, on va venir charger depuis notre base de données, en faisant une sélection de données, les données de notre ligne courante, donc qui est renseignée dans cette variable ID contact. Donc, voilà, en fait, ici, c'est l'agrégat de plusieurs affectations de contrôle. Donc, pour l'input type nom, je vais vouloir affecter le retour de ma base de données contact nom. Donc vous allez pouvoir jouer de cette manière-là. Donc vous retrouvez, dès que vous voulez mettre des actions sur votre IHM, vous regardez un petit peu dans la liste des contrôles les déclencheurs disponibles et vous allez pouvoir faire des actions souhaitées. Donc soit en faisant un clic droit, vous allez soit pouvoir créer un nouveau comportement non disponible, soit utiliser un comportement existant. Donc comme ceci. Donc à noter que si je prends par exemple, ici je vais dans les comportements, si je reprends un petit peu ce qu'a fait notre formulaire notre assistant de création de formulaire sur les contacts, voilà, il a créé une dizaine de règles qui correspondent au CRUD. On va retrouver la suppression, on va retrouver des redirections d'écran, des chargements. Donc voilà, vous avez vraiment la main sur tout grâce aux actions que je vous montrais préalablement. Donc voilà pour la mise en place de règles métiers. Donc vous allez retrouver une boîte à outils comprenant l'ensemble des conditions algorithmiques standards et l'ensemble des actions nécessaires à la mise en place d'écran dynamique. Tout à l'heure, je vous faisais un petit tour au niveau d'un composant. Donc, chaque composant va retrouver une boîte de propriétés. Donc, je peux faire clic droit modifier. Je vais retrouver une boîte de propriétés générale. Donc, voilà. Donc, si je prends un message d'aide, c'est un message qui va apparaître au surlignage du composant. On va retrouver le label intégré ici. Et puis, on va retrouver tout un tas de choses. Ce qui est intéressant, c'est d'aller souvent dans Apparence. Donc, on a le petit cadre pour sélectionner les marges souhaitées. Et puis, je vous le disais un petit peu tout à l'heure, il faut savoir qu'Automantix est responsive design. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir adapter nos écrans qui soient en fonction des résolutions. Donc, ici, Automantix gère 1, 2, 3, 4, 5 solutions. Résolutions, pardon. Donc, vous pouvez en savoir plus sur la résolution en mettant votre souris sur ici le switcher de résolution. Et donc en fonction de ces résolutions, on va pouvoir dire, ben, par exemple sur un smartphone, je ne veux pas afficher le nom, donc ça paraît pas cohérent, mais c'est pas très grave. Donc si je peux avec ce switcher modifier les visibilités en fonction des résolutions, donc là si je me place dans un smartphone, vous voyez que j'ai perdu le composant nom. Donc, bon, là c'est pas très intéressant. Par contre, ce qui peut l'être, vous voyez, c'est que dans le smartphone, je veux que l'ensemble de mes champs prennent l'ensemble de la largeur, puisque voilà, j'ai une place qui est assez restreinte. Donc ici, vous voyez que nom, prénom, mail, téléphone, type, propose, prennent toute la largeur de l'écran. Donc ça, c'est mentionné par la petite saisie ici. Donc vous dites que dans la région du smartphone, vous voulez prendre la place des 12 colonnes, puisque en fait, un écran est décomposé, une grille responsive est décomposée en 12 colonnes. C'est les fameuses 12 colonnes de Bootstrap, puisqu'on a un moteur Bootstrap derrière qui s'occupe de ça. Et donc, c'est comme ça qu'on vient dire, bah, pour ma petite résolution smartphone, je veux être sur du 12. Et dès que je passe en tablette, je veux partager l'écran. Donc, c'est-à-dire automatique vient en fait prendre la place disponible sur la ligne. Donc par exemple, si je passe en desktop, on retrouve le nom et le prénom. Comme ceci. Donc ensuite, vous allez avoir en fonction de vos contrôles différents validateurs.
Donc, les validateurs vont vous permettre de procéder à des validations sur la saisie de vos formulaires, puisque les boutons ici, le bouton est bien mentionné bouton de validation. Donc, au préalable, avant d'exécuter les trois règles qu'on a vues tout à l'heure qui sont disponibles ici, on va vérifier par exemple que le nom ici soit bien saisi, puisqu'on est en mode requis. Donc, les requis sont matérialisables par les petits astérisques en haut à droite du composant. Téléphone n'est pas requis. Donc, si je viens ici dans son validateur, il n'a pas de requis. Donc, voilà pour les validateurs. Et puis ensuite, ici, vous avez des convertisseurs qui vous permettent de faire quelques actions spécifiques concernant votre saisie. On a un dernier onglet qui s'appellera droit. Je vais faire annuler. Qui s'appellera rôle applicatif, qui va vous permettre d'afficher ou non certaines informations ou de désactiver ou non certains composants en fonction du contexte de votre utilisateur et des droits dont il dispose. Parcourons rapidement un composant un petit peu plus complexe qu'une saisie de texte classique. Donc pour cela, je vais aller dans mon écran contact, donc, qui est un tableau. Si je fais un clic droit sur mon tableau, donc on va retrouver des propriétés, donc avec ici de nouvelles informations. Donc vous allez pouvoir activer l'export par exemple en un clic, donc l'export soit Excel, PDF ou CSV. Vous allez pouvoir activer l'ajout directement sur la table, etc. Enfin, je vous laisserai parcourir l'ensemble des fonctions disponibles pour ce composant. Il est d'ailleurs très utile quand on met un composant, de parcourir rapidement les propriétés dont il dispose. Et ici, sur chaque composant un petit peu complexe, c'est-à-dire quand j'appelle un composant complexe, c'est un composant dans lequel on va devoir intégrer de la donnée issue de notre base de données. Donc ça peut être les tableaux, ça peut être les agendas, les plannings, les listes déroulantes. Donc pour l'ensemble de ces composants, vous allez retrouver un onglet données qui va nous permettre de câbler notre tableau avec un jeu de données. Donc en fait, le jeu de données, c'est une abstraction, hein. Vous allez d'abord faire une sélection de données qui sera issue de votre base, et vous allez en fait venir charger un tableau. Donc ça peut être, si on veut un équivalent PHP, ça va être un array, ça peut être une map en Java. Donc on va venir charger ce jeu de données, et c'est ce jeu de données qui va afficher, qui sera lié au composant en question. Si je prends par exemple, je vais créer un nouvel écran rapidement. Donc, test. Je vais le placer sur la charte graphique. Donc, si je vais en mode création ici et que je rajoute par exemple un agenda, je vais créer un agenda. Donc, voilà, en quelques clics, l'agenda se crée. Et si je vais en modification sur mon agenda, je vais retrouver l'onglet données et je vais pouvoir le lier à un jeu de données. Donc, le gros conseil que je vous donne, moi, pour utiliser ces composants-là, c'est d'utiliser, créer un nouveau jeu de données. Et ça va vous permettre de connaître de manière très rapide l'ensemble des propriétés qu'on va pouvoir câbler sur notre composant. Donc ici, par défaut, un agenda va disposer d'une date de début, une date de fin. Donc ça, c'est requis, on ne peut pas y toucher. Mais il est très utile de connaître les propriétés que l'on peut exécuter via un composant. Donc vous voyez que les styles CSS, par exemple, sont dynamiques, peuvent être dynamiques en câblant les fonctionnalités. Donc le rendu final, ça va être donc une application, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc ici, par défaut, on a mis le petit bouton installer l'application. Donc là, je suis en Chrome invité, donc je ne peux pas installer sur mon desktop un PWA. Et donc une fois que vous avez votre application qui est finie, vous allez pouvoir la publier. Donc je peux cliquer ici sur publier l'application et vous allez disposer d'une URL en lien direct. Donc si je fais copier l'adresse du lien et que je viens me placer ici, hop, je vais retrouver mon application, donc sans le débugger puisqu'on est dans une exécution utilisateur normale. Voilà pour les grandes lignes du développement sous Automantix.
Donc l'idée, c'est de partir souvent du modèle de données et puis de venir créer les écrans via l'application. Un petit dernier exemple, ça fait 40 minutes qu'on est ensemble. Je vais venir créer un nouveau service web. Donc je vais l'appeler contact. Et je vais pouvoir, par exemple, tout à l'heure on a vu les IHM. Je vais passer en conception ici d'un service web. Et donc comme tout à l'heure, je vais pouvoir soit les créer à la mano, soit utiliser un assistant. Et juste pour l'exemple, ici, je vais venir créer un service web qui va exposer nos données de contact. Moi, je vais vouloir juste la lecture. Je peux choisir des modes d'authentification. Là, je vais mettre public puisque ce sera supprimé dans 2 minutes. Je fais terminer et je vais pouvoir rapidement débugger ma méthode web. Donc là, j'ai pas besoin d'arguments. Et voilà, je vais retrouver un JSON. Donc je peux l'ouvrir en format JSON, enfin XML ici. Donc je vais retrouver un web service qui va être exploitable par une tierce application ou directement dans Automantix. Donc voilà pour la plateforme. Donc vous allez pouvoir vraiment créer l'ensemble de votre système d'information avec notre solution. Tout à l'heure, on a vu que j'ai créé un nouveau modèle de données from scratch, on peut dire. Il est possible aussi, si vous disposez déjà d'une base de données exhaustive avec des données, avec un modèle de données bien, bien structuré, d'importer ce modèle de données en le câblant directement à une source de données que vous aurez au préalable renseignée. Donc là, si je prends par exemple base applicative contact, bon, c'est pas hyper intéressant puisque c'est nous qui l'avons faite, mais je peux venir importer ma base de données et importer toutes les tables qui ont été créées. Donc ici, vous voyez, j'ai la petite icône bleue là, qui me mentionne bien que mon modèle de données a été importé. Voilà pour la petite démonstration, le guide de démarrage rapide. Donc vous pouvez également vous connecter sur le www.automantix.com pour avoir tout un tas d'astuces, de conseils, donc le démarrage rapide et puis le centre d'aide qui va vous permettre de récupérer des informations et de trouver des informations sur les choses que vous voulez mettre en place. Donc il viendra être accentué, enfin les articles vont arriver aussi très rapidement. Donc là vous avez déjà une trentaine, une quarantaine d'articles qui vous permettent de développer avec la plateforme. Donc ça c'est ce point-là. Qu'est-ce qu'on voulait évoquer aussi? Donc la documentation, effectivement. Tout ce que je vous ai dit là, c'est rien d'autre que la documentation en fait, que vous pouvez retrouver directement sur le site. Donc on a une documentation exhaustive. Vous pouvez retrouver par exemple chaque composant, comment utiliser chaque composant pour connaître les propriétés, etc. C'est dans la documentation d'Automantix qu'il faut aller. Et enfin, voilà. Vous pouvez nous contacter directement sur le formulaire de contact qui renvoie vers une application Automantix. Donc le formulaire de contact est fait en Automantix. Donc ça c'est pour nous contacter. Si jamais vous avez un souci d'utilisation, vous avez un bug que vous ne comprenez pas, il est possible depuis la plateforme ici d'en rapporter une anomalie, de venir nous faire part de votre bug. Alors si c'est un bug plateforme, il sera corrigé dans les plus brefs délais par notre équipe. Et si c'est on va dire une incompréhension d'utilisation, soit on vous recontactera, soit on va mettre un article, un tuto dans le centre d'aide pour vous aider et vous faciliter la vie et l'utilisation d'Automantix. Donc voilà pour ce petit parcours rapide de la plateforme. Alors qu'est-ce qu'on avait prévu? Rapporter une anomalie, c'est fait. Les formules, rapidement. Vous pouvez les retrouver également sur le site. Hein, c'est une capture d'écran. Donc ici, on vous offre une formule découverte gratuite et sans restriction de temps. La seule contrainte, c'est les sessions d'utilisateurs et la déclaration des utilisateurs. Vous ne pourrez pas être plus de 5 en simultané sur une de vos applications, sur une de vos plateformes. L'offre basique, c'est une aide au démarrage et des quotas d'utilisation moins restreintes. Et puis après, voilà, je vous laisserai découvrir sur l'offre standard et sur l'enterprise. C'est entreprise, c'est en français. Voilà. Donc voilà, j'espère que je vous aurai apporté quand même quelques informations nécessaires
à l'utilisation d'Automantix. Vous me retrouvez sur le www.automantix.com et puis sur le Twitter. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez également passer sur le Twitter. On répond assez rapidement. Voilà, je vous souhaite une belle journée et à très bientôt sur Automantix.